Bien chers amis du Cameroun, nous sommes ici à la cathédrale de Joliette le 8 janvier 2017. Et vous reconnaissez sans doute Henri, qui est un des vôtres, et Monseigneur Raymond Poisson, l'évêque de notre diocèse, qui va ordonner Henri. Alors, on prend ces quelques instants avant la célébration pour vous saluer et pour que quand vous puissiez voir cette célébration par la vidéo que nous allons vous transmettre, vous puissiez être de tout cœur avec nous. Alors, Henri, quel sentiment t'anime au moment de vivre cette célébration? Sentiment de joie, sentiment de reconnaissance par rapport à ma famille qui a cru à mon rêve et m'a accompagné dans ce rêve. Alors, j'ai des parents les plus merveilleux du monde. Je continue aussi à dire merci à eux et à toutes les âmes de bonne volonté qui m'ont aidé. Et que ce soit là-bas au Cameroun et que j'ai trouvé une terre d'accueil ici au Québec qui ne se plaigne pas, je suis dans les bonnes mains. Alors mon évêque à côté de moi, puis celui qui m'a suivi. Merci et je compte encore sur vos prières. Et maintenant, je vous donne la parole à Monsieur Poisson qui va lui-même vous dire ses quelques impressions également. Merci beaucoup, Claude. Bonjour tout le monde. Bonjour, Henri. Alors, ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, en cette fête de l'Épiphanie, nous célébrons l'ordination de Henri, qui nous vient d'un autre pays, mais qui est de la même famille, celle de Dieu notre Père, dont notre frère Jésus est heureux aujourd'hui de s'associer à Henri comme prêtre dans son Église. Alors, je remercie le Seigneur. Je compte sur toi, Henri, pour que nous puissions ici, malgré le froid quelquefois, parce qu'aujourd'hui, voyez-vous, mes amis, il fait au-dessus de moins 20. Il fait très froid ici, mais on a le cœur chaud et on est heureux de dire merci au Seigneur pour le ministère d'Henri chez nous. Merci, à bientôt. Eh bien, chers amis du Cameroun, vous pourrez voir aussi une célébration à la québécoise, je dirais, et vous pourrez voir les belles peintures, la belle architecture de notre cathédrale. Et après, bon, on vous donnera quelques scènes d'hiver pour montrer comment, dans quel contexte Henri a été ordonné. Alors, vous pourrez voir, disons, toute la célébration intensément. Je remercie Monseigneur l'évêque de se prêter à cela. Meilleurs vœux à Henri aussi. Et vous tous du Cameroun, nous vous disons bonjour. Bonne célébration. Commencer la célébration, je vous dis des chansons ensemble que nos cœurs.
blanc pour représenter ce qui a pu, selon nous, embellir la vie du foyer de l'âge. Il nous fait grandir. On va faire circuler les sous de la porte. On va laisser le matériel de santé. Les compréhensions, les niveaux sont. J'ai appris à connaître, vous avez vu,
Notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Sauveur, notre choix et son comme grâce.
servir ta gloire, par ce même Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Debout, Jérusalem, resplendis. Elle est venue ta lumière, et la gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Voici que les ténèbres couvrent la terre, et la nuit obscure couvre les peuples. Mais sur toi se lève le Seigneur. Sur toi, sa gloire apparaît. Les nations marcheront vers ta lumière, et les rois vers la clarté de ton aurore. Lève les yeux à l'entour et regarde. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils reviennent de loin, et tes filles sont montées sur la hanche. Alors, tu verras, tu seras radieuse, ton cœur frémira et se dilatera. Les trésors de la vie mère afflueront vers toi. Vers toi viendront les richesses des nations. En grand nombre, des chameaux t'envahiront, de jeunes chameaux de Madian et des femmes. Tous les gens de Saba viendront, apportant l'or et l'encens. Ils annonceront les exploits du Seigneur. Parole du Seigneur. Thank you.
Jésus était né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem et demandèrent : Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu son étoile à l'Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. En apprenant cela, le roi Hérode fut bouleversé et tout Jérusalem avec lui. Il réunit tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Il lui répondit : À Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas le dernier parmi les chefs-lieux de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. Alors, et quand vous l'aurez trouvé, venez me l'annoncer pour que j'aille moi aussi me prosterner devant lui. Après avoir attendu le roi, il partit. Et voici que l'étoile qu'ils avaient vue à l'Orient les précédait, jusqu'à ce qu'elle vienne s'arrêter au-dessus de l'endroit où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils se réjouirent d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, ils virent l'enfant avec Marie sa mère. Et tombant à ses pieds, ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent leurs présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Mais, avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Acclamons la parole de Dieu. Parce qu'on est capable de reconnaître en lui-même tout petit, Dieu lui-même.
de l'encens et de la myrrhe. La myrrhe, c'est le parfum qu'on utilisait pour embaumer les défunts. On lui offre de la myrrhe, car lui, le roi des rois, lui, le Messie, mettra un terme à la mort elle-même et nous donnera, dans la fidélité à sa parole, la vie éternelle. De l'or, de l'encens et de la myrrhe. Voilà donc les présents des mages à l'enfant Jésus. Et ceci vient nous redire le caractère exceptionnel de la royauté de Jésus. Le roi du cœur, qui va au-delà des nations et des cultures, ces mages venus d'Orient. Eux, ils ont suivi une étoile. Voilà le signe qui leur a été donné. Mais il y a des signes pour chacun des visiteurs de l'enfant Jésus. Au berger, il est donné comme signe l'étable. Quoi de plus normal pour le berger que de fréquenter l'étable? Au docteur de la loi, aux spécialistes, est donné l'écriture, puisque ce sont eux qui diront au mage, c'est à Bethléem, en Judée, que doit naître le Messie. Même Hérode, d'un cœur si trompeur, si biaisé, si intéressé, à lui aussi, il est donné un signe. Et le signe, ce sont les mages eux-mêmes qui devront passer par chez lui pour trouver l'enfant. Car au-delà de leur science, les mages sont incapables de trouver seuls cet enfant. Ils devront basculer dans le domaine de la foi et faire appel à l'Écriture par l'entremise des docteurs de la loi. Oui, c'est à Bethléem en Judée que doit naître le Messie. Mais voilà que, une fois cette perle, cet enfant trouvé, ce Messie qui donne la vie éternelle, on doit retourner chez soi par un autre chemin. Car lorsque l'on fait la rencontre du Christ, on ne prend plus jamais le même chemin de la même manière. On prend le chemin qui nous mène au cœur de l'autre, qui nous amène à partager avec lui, Jésus, le projet d'un monde meilleur, qui commence chez nous, dans notre vie de famille, dans notre communauté chrétienne, dans notre société, à partir de la manière dont on vit, dont on s'aime, dont on partage, dont on pardonne. Henri n'a pas trouvé d'étoile, mais il a trouvé chez nous une famille, celle des enfants de Dieu. Aujourd'hui, cette famille te demande. Elle compte sur toi pour que tu sois à ta manière un signe de plus, un signe actuel dans le don que tu fais de ta vie, le signe de la présence de Jésus dans notre monde. Que ton ministère et les énergies que tu déploieras servent à prolonger ce projet de Jésus, bâtir un monde meilleur chez nous, avec toi et grâce à tous les baptisés. Amen. Thank you.
Henri, avant d'être ordonné prêtre, il convient que tu déclares devant l'Assemblée ton intention de recevoir cette charge. Veux-tu devenir prêtre, collaborateur des évêques dans le sacerdoce, pour servir et guider le peuple de Dieu sous la conduite de l'Esprit Saint que nous venons d'évoquer? Oui, je le veux. Veux-tu accomplir fidèlement le ministère de la parole, c'est-à-dire annoncer l'Évangile et exposer la foi catholique? Oui, je le veux. Veux-tu célébrer les mystères avec foi, mystère du Christ, selon la tradition de l'Église, pour la louange de Dieu et la sanctification du peuple chrétien? Oui, je le veux. Veux-tu, de jour en jour, t'unir davantage au souverain prêtre de Jésus-Christ, qui s'est offert pour nous à son Père, et avec lui, le consacrer à Dieu pour le salut de l'humanité? Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. Approche. Thank you.
Sois avec nous, Seigneur, Père très saint, sois avec nous, Dieu éternel et tout puissant. Toi qui confies à chacun sa part de service et de responsabilité, toi, la source de toute vie et de toute croissance, tu donnes à ton peuple de vivre et de grandir, et tu suscites en lui les divers ministères dont il a besoin. Déjà, dans la première alliance, et comme pour annoncer les sacrements à venir, tu avais mis à la tête du peuple des grands prêtres chargés de la conduire. Mais tu as aussi choisi d'autres hommes que tu as associés à leur service et qui les ont secondés dans leur tâche. C'est ainsi que tu as communiqué à 70 hommes, pleins de sagesse, l'esprit que tu avais donné à Moïse. Et tu as fait participer les fils d'Aaron à la consécration que leur père avait reçue. De même, lorsque ton fils Jésus, l'apôtre et le grand prêtre de notre foi confesse, envoyant en mission ses apôtres, tu leur as donné des compagnons dans l'enseignement de la foi pour que l'Évangile soit annoncé dans le monde entier. Aujourd'hui encore, Seigneur, donne-nous les coopérateurs dont nous avons besoin pour exercer le sacerdoce apostolique. Nous t'en prions, Père Tout-Puissant, donne à ton serviteur que voici d'entrer dans les ombres des prêtres. Répand une nouvelle foi au plus profond de lui-même l'esprit de sainteté. Qu'il reçoive de toi, Seigneur, la charge de seconder l'ordre épiscopal, qu'il incite à la pureté des mœurs par l'exemple de sa conduite, qu'il soit un fidèle collaborateur des évêques pour parvenir à toute l'humanité le message de l'Évangile et que toutes les nations rassemblées dans le Christ soient transformées en l'unique peuple de Dieu. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.
par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Comme nous l'avons appris du Sauveur, selon son commandement, une seule fois,
Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Thank you.
Voici le jour que fit le Seigneur, jour de fête et de joie. Souvent chez vous,
fraternisé, je peux vous dire secrètement, il fait bon vivre chez mon Seigneur. La maison de Paul, la maison
régional sermonnière du diocèse, à l'équipe pastorale de la liturgie, aux chanteurs de la place du geste qui anime ce soir, aux chevaliers de Colomb, aux cultivistes qui ont passé la quête, aux amis, à la TV CTRV, à la communauté camerounaise, était là. Dieu est le Père, le pasteur de son Église, il vous soutient tous toujours de sa grâce pour que vous accomplissiez fidèlement, tous ensemble, votre charge de baptiser pour les siècles des siècles. Amen. Toi, Henri, il fasse de toi au milieu du monde un serviteur et un témoin de son amour et de sa vérité, un fidèle ministre de la réconciliation, un vrai pasteur chargé de donner aux fidèles le pain vivant et la parole de vie qui les feront grandir dans l'unité du corps du Christ pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant bénisse le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Le Dieu, à tout Seigneur tout honneur, quand nous avons un verbe qui nous est offert, nous laisserons Henri à vos soins pour le saluer, tandis que nous retirerons pour alléger un peu l'équipement et revenir célébrer avec vous.
Bien, chers amis, nous avons vécu la célébration aujourd'hui de l'ordination d'Henri. Alors, vous venez venir? Alors, comment vous appelez, vous autres? Josiane Nahayou. Marie-Ange Thibault. Et toi aussi, vous êtes... Allô? Et toi? Oui, bonjour. Henri. Oui. Vous êtes de quel endroit? Oh, regarde par là. Oh, moi, vous êtes de quel endroit? Moi, je suis du Burundi. Burundi? Oui, ça c'est l'Afrique. Ah, toi aussi, vous êtes de la famille? Non, on n'est pas dans la même famille. Bon. Comment vous avez vécu l'ordination de Henri aujourd'hui? Bon, c'est vraiment merveilleux pour voir notre confrère ordonné prêtre. Ça va aider la communauté québécoise, canadienne et africaine aussi en général. C'est beau. Et toi, comment tu as vécu ça? Bien. Comment tu as trouvé ça? Bien. Et toi? Ben, c'était le fun. Ouais, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et toi? Mais c'était le fun. Il y avait plein de monde, puis c'est ça. Tant mieux. Et toi? Ben, c'est plus différent que d'habitude. Il y avait plus de monde que d'habitude, puis plus de personnes qui nous ressemblaient, si on peut dire. On va regarder par là. Ben, on peut dire qu'il y avait plus de personnes. Tu te sentais plus chez toi, ben, différent parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde. D'habitude, il n'y a pas beaucoup de monde qui nous ressemble, tu sais. Puis là, maintenant, c'est genre, on se sentait chez nous quand même. Chantal, veux-tu dire un mot? Ben, oui, aux parents de Henri? Ah, aux parents, ben, je suis contente d'avoir participé à l'ordination d'Henri. Je connais Henri. À Berthier aussi. Puis, c'est une belle journée parce que c'est la journée de l'Épiphanie. C'est, il y a une étoile pour chacun de nous. Fait que merci, Seigneur, de nous l'avoir prêté. Et puis toi, veux-tu dire un mot? Toi, tu t'appelles comment? Frère Jérôme du Cameroun. Frère Jérôme. Oui, Frère Jérôme du Cameroun, missionnaire des Saints-Apôtres. Ah, missionnaire des Saints-Apôtres? Oui, oui. Et je suis. Aussi, Non, oui, je suis à Montréal. Je suis là depuis quelques mois. Je suis là pour un stage canonique. Voilà. Vous devenez prêtre aussi? Oui, si Dieu le veut bien, voilà. C'est ouais. Parfait. Maintenant, on va demander à Raymond, veux-tu dire un mot aux parents de Henri? Qu'est-ce que je. Ah, je ne suis pas capable. Bon, c'est parfait, c'est pas grave. Viens donc, tu vas dire. Ben, c'est pas grave. Viens donc. Alors. On va dire un mot. Toi, tu viens du Cameroun. C'est Fabrice qui est ici. Et Fabrice aussi est en cheminement comme Henri. C'est lui qui est le diacre d'office aujourd'hui. Alors, comment tu as vécu l'ordination que tu te prépares à avoir un jour, toi aussi? Avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'action de grâce, c'est-à-dire de remerciement pour tous ces bienfaits qui nous dépassent, de voir comment depuis l'embryon jusqu'à l'âge où on est porté par la vie de Dieu et tous ceux et celles qui nous entourent et nous encouragent. Alors pour moi, c'est un encouragement à continuer toujours à faire confiance aux gens qui sont à côté de moi et à ne pas avoir peur, comme a si bien dit Henri, de me donner davantage comme prêtre un jour. Alors, mes bien chers amis, c'est à mon tour de souhaiter aux parents d'Henri, à vous autres qui nous regardez aujourd'hui. Moi, je me présente, je suis l'abbé Claude Sauvageau, celui qui a eu à accompagner Henri pendant ces 3 ans-là, qui accompagne aussi Fabrice aujourd'hui. Alors, c'est une grande joie. Je vous remercie de nous avoir donné Henri et puissiez-vous avoir apprécié la célébration que vous venez de voir à la télévision. Maintenant, vous allez pour tout. Oui? Et bon succès à CTRB. Merci à l'abbé Claude. C'est ça. Alors, vous êtes sur les ondes de CTRB, la télévision communautaire de la région de Joliette. Et vous allez continuer par voir des scènes extérieures de la neige là, qui orne notre paysage à ce moment-ci. Je remercie beaucoup Mme Danielle Yvon, qui est la directrice générale du poste et qui s'est déplacée aujourd'hui pour enregistrer cette émission. Sur ce, on vous dit au plaisir de vous rencontrer l'été prochain. Et bonne année! Merci. Super cool.